Attention, all proud warriors. Have you ever considered joining Time Patrol? As a Time Patroller, you'll prevent history from being changed. Our duty is to protect everyone's memories and help return history to the way it should be. But we need your help. The only requirements are confidence in your capabilities, and of course, a strong desire to protect history. We've got a school for honing your skills, and a fully equipped item shop. How about it? Why not use your strength to help out a great cause? We're always on the lookout for powerful warriors. Okay then, listen carefully. To maintain safety here, in Canton City, home to the Time Patrol, there are a few rules you must keep. First, firing a Kamehameha within city limits is prohibited. Time Patrollers wishing to fly when not on duty are required to obtain a flying license. Please help keep Canton City safe by obeying its traffic laws. Lastly, any alteration of history is a grave offense. Our missions come with the risk of changing history. So you must exercise the utmost caution. Avoid making changes to history like Trunks did. Keeping these things in mind, please carry out your missions safely. For the sake of the world and its history, we look forward to welcoming each of you to the Time Patrol! Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2, donc une nouvelle série, toujours dans la série, dans la licence Dragon Ball Xenoverse, donc le deuxième sorti 2 ans après le premier, ou un an, je ne sais plus. Jeu de combat toujours avec des éléments de RPG permettant de revivre l'histoire de Dragon Ball réécrite sur certains événements et de la corriger tout simplement. Dites-moi dans les commentaires si le son est bon. Déjà, on va passer en japonais pour ce qui est des voix. C'est nécessaire, hein, clairement. J'appuie sur une touche. Oui, je te demande de créer de nouvelles sauvegardes. Je ne souhaite pas reprendre mon personnage précédent. Tout simplement parce que. Alors attendez, on va quand même lire. Notification sur le changement de données de sauvegarde. Les joueurs ont échangé les données de sauvegarde Dragon Ball Xenoverse, le jeu précédent. Je transfère certaines de ces données vers Dragon Ball Xenoverse 2. Ce jeu a condition d'utiliser le même compte Steam. Si ce n'est pas déjà fait, lance le jeu précédent en activant Steam Cloud et sauvegarde tes données. Le héros, policier du temps, de Dragon Ball Xenoverse installé à Tokyo, est un personnage différent du héros de Dragon Ball. Oh! Oh! Ah, il y a une histoire améliorée, alors attendez, ça c'était pas prévu. Une fois les données que tu sauvegardes, de supprimer tes données dans tu crées de nouvelles sauvegardes. Recommander dans le Dragon Ball Xenoverse des personnes étaient tenues et tenues du personnage que tu souhaites transférer avant toute chose. Oh, d'accord. On peut emporter en fait certaines techniques. Lorsque tu effectues ce transfert, selon tes données de jeu, tu obtiendras certains costumes techniques ainsi que des ennemis et médailles pétées, une nouvelle monnaie dans le Xenoverse 2 comme bonus. Les tenues et techniques suivantes, équipant ton policier du temps, peuvent être transférées depuis ton compte dans le haut du corps, bas du corps, main, pied, 4 attaques spéciales, 2 attaques ultimes, une technique d'évasion. D'accord. Donc ton policier du temps, son apparence, sa voix ainsi que certaines techniques ne pourront pas être transférées. Certaines tenues et techniques auront une apparence ou un comportement différent. Le policier du temps sera sélectionné lui-même ne peut pas être utilisé dans Dragon Ball Xenoverse 2. Les techniques et tenues ne peuvent pas être transférées, sont échangées contre des ennemis ou des médailles pétées lors du transfert. Super Saiyan 2, Super Vegeta 2, Kaioken 3, Kaioken 20, potentiel éveillé, javelot de la colère, lance de la rébellion, lance tyrannique, prélude à la destruction, frappe révélatrice, destruction symphonique. Les tenues qui ne peuvent être transférées sont échangées contre des ennemis ou des médailles pétées après progression dans l'émission du Police du Temps jusqu'à un certain épisode. Transférer les données de Dragon Ball Xenoverse. Je reviens du coup, parce que si l'histoire est différente, si le véritable personnage est un héros, je veux bien continuer sur ce genre de détails. Voilà, donc à tout de suite. Ok, re, chers amis, donc je réglerai les problèmes d'équilibrage du son au niveau des musiques tout à l'heure. Hop, on bouge. Oui, je veux transformer mon personnage de Dragon Ball Xenoverse.
Tu pourras plus recommencer avant d'avoir supprimé les nouvelles données de sauvegarde. Oui, je comprends. Oui, je veux le faire. Oh, le petit anneau. Transfert terminé. Quel personnage? J'avais plusieurs personnages? Pourquoi pas? Bon, je vais... J'aurais... On va voir, j'aurais dû aller dans l'option, j'ai été stupide. J'ai été stupide, c'est pas grave. Cinématique, du coup je coupe la cam. That's right. I need to choose someone for that special mission. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, chers amis. Ok, re, chers amis, on va bien voir. Début de partie, on va bien voir si ça passe ou pas. C'est blanc, dis donc. Oui, donc il y avait une cinématique, donc je recoupe la cam, désolé. C'est en japonais, c'est bien. C'est bien mieux. Alors. Bon, je coupe la cam le temps de la cinématique. Qui vais-je prendre? Oh là là. À moins que ce n'est pas une cinématique, peut-être. Je la fais revenir. Oh! Non, c'est pas la cinématique, c'est la création de personnage. Si tu connectes de manière répétée et injustifiée des combats ou des quêtes en ligne, des planétations ne seront affichables en plus. Dans le nom de personnage, ton surnom s'affichera en rouge pour les autres joueurs de Cotton City et All Multijoueur, ainsi que dans les salles d'attente. Pour annuler la planète, tu dois jouer sans interruption normale à n'importe quel type de combat ou de quête en ligne. Ceci n'est pas valable pour les combats infinis. D'accord. Celui-là. Hey, j'ai récupéré mon... Bon, il y a un truc qui est bizarre. Il y a un truc qui est bizarre. Je reviens. Ok, re, chers amis. Donc, apparemment, je sais comment il faut faire maintenant. Donc, début de partie. Normalement, ça devrait le faire. Hein. Voilà. On a le menu. Si tu connectes de manière répétée, ça m'a pas pris. Faudrait que j'arrive à supprimer ma sauvegarde, en fait, tout simplement. Mais apparemment, c'est plus compliqué que prévu. On va bien voir, on va faire le test, si ça marche pas, je vais me dépatouiller. Donc normalement, on doit créer un nouveau perso. Ah, j'ai joué au con, chers amis, ça m'énerve. Est-ce que je peux pas supprimer ma sauvegarde directement, ou n'importe quoi? J'aurais... Ah bah bien. Ok, re, chers amis, donc, c'est plus compliqué que prévu. On va essayer de corriger ça, cela dit. Le son me semble d'un seul coup extrêmement fort, mais ce n'est pas grave, on va bien voir. Hop, on crée notre personnage, donc. On va recréer un personnage, parce qu'en fait, on ne réutilise pas le personnage de base. On va prendre un Saiyan, comme la dernière fois. Un Saiyan de sexe masculin. Le nom, la voix, alors attendez. Celle-là est très très bien. Non! Forcément, là vous vous en doutez, chers amis. Marcus bonus. Hop, voilà. Un instant, cette musique me saoule. Ok, re, chers amis, c'est laborieux. Apparemment, la musique est pas si forte que ça. Donc, on va garder là-dessus, on va confirmer tout ça. Hop, parfait. L'apparence maintenant. Alors, on sait tous que l'apparence a un impact sur les capacités de combat de votre personnage au corps à corps, etc., etc. Par exemple, là, si je fais ça, je ferai moins de dégâts, mais je serai plus rapide. Là, je serai moyen, etc., etc. Nous, on va prendre un personnage qui, de base, sera pas forcément gigantesque, mais qui sera moyen au niveau de son combat, qui fera pas forcément trop de... Ah, je sais pas. Non, moi, j'aime bien les personnages assez rapides. Tête et cheveux. Bon, bah alors la tête, alors ça c'est les cheveux. Ça c'est les cheveux. Alors le blur par contre est vraiment violent sur le jeu. Ok. On va regarder les dernières. Hop, voilà. Ça ressemble beaucoup à la coupe de variant dans WoW. J'aime bien. Non, non. Non plus. Non. 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 Ça aurait pu, mais non. Alors ça, non. Non.
plus, non plus, non. Ah. On partirait soit sur celle-là, soit sur celle-là. Personnellement, celle-là ferait trop, un petit peu trop Trunks en fait, donc je vais peut-être plutôt partir sur celle-ci. Ça, c'est clairement celle de Gohan. On va plutôt partir sur celle-ci. La tête, par contre, j'aurais bien aimé voir comment je pouvais la changer, mais apparemment, je ne peux pas pour l'instant. Les yeux, donc les yeux, le type des yeux, type 1, type classique, d'accord. Il y en a quand même qui sont moches, hein. Ça, c'est avec les cicatrices, d'accord. Non, mais pas. Si, c'est avec une cicatrice au niveau de l'œil, regardez. Hop. Donc, m'intéresse pas tant que ça. Je vais plutôt partir sur. Sur ça. Les pupilles. Plutôt partir là-dessus, effectivement. Le nez, le type de nez. Ça, ça me semble bon. J'ai pas regardé le reste, vous me direz, mais là, c'est un peu trop plat. Oh, remarque, ça, c'est pas mal. Bouche, mâchoire, là, c'est là qu'on va rigoler, normalement. Ça commence bien. Bizarre. Encore plus bizarre. Du rouge à lèvres, non. J'ai peur que ça ne devienne pas blond au moment où il passe en Super Saiyan. Du coup, je préfère encore passer à autre chose. Celle-ci me semble bien. Les oreilles du monsieur. Plutôt celle-ci. Ok. Bon, on a un personnage qui a plus ou moins de la gueule là quand même, hein. Je veux pas dire. Hop. Ok. Confirmé. C'est bon. Et confirmé. On y va. Mon truc, c'est la proximité. J'aime les explosions à distance. Proche ou de loin, je suis équilibré. On va prendre l'équilibre. Connexion au serveur, hein, qui était problématique lors du premier jeu, hein. Je le rappelle. Apparemment, ces problèmes sont résolus, hein. Tous les problèmes de connexion au serveur ont vraiment été. Un grand mal pour les développeurs au début, enfin à la sortie du jeu, donc du coup ils ont réglé les problèmes assez rapidement. Du coup je suis revenu sur Xenoverse 1 qui m'a semblé. Ah, un instant. Oh, c'est beau, pardon. Oh, c'est tellement beau. Je suis désolé, mais... C'est limite, c'est pas plus beau que l'anime, quoi. C'est forcément plus beau que l'anime, mais alors là, franchement, à ce niveau-là... Ouh. Ok. Il est complètement perdu dans... Oh la vache. Et il assiste impuissant à tout ça. Oh, c'est... C'est bizarre, mais ça rend tellement bien. Ce n'est pas très efficace. Oh, l'armure.
Ah putain, j'aime ce jeu déjà. Ah. Adieu. Ah, c'est drôle comme mise en scène. D'accord. Bon. Je vais revenir à l'écran peut-être si jamais ce n'est pas une cinématique derrière. C'est une cinématique. Mais avec le moteur graphique du jeu. Donc je pense que je vais revenir. Alors. Crac. Voilà, je suis là. Vegeta, mon ami Vegeta. Oh, le boule. なんだ。頼まれてたトレーニングスーツできたわよ。なかなかいい素材が手に入ったから前のよりフィット感なんかも格段に上がってるはずよ。本当。全然働かない夫に最新トレーニングスーツまで作っちゃうなんて。私ってできた妻よね。<笑> Vegeta n'a pas d'humour. Sauf au moment où il a eu ses moustaches. Ah, ça j'ai reconnu. Ouais. Le bonheur du personnage. Hop. Un écran de chargement qui est pas moche, hein, loin de là. Je suis complètement bleu, mais c'est pas grave. I'm blue. Ah, Cotton City. Voir enfin, c'est un bâtiment qu'on avait reconnu déjà dans le précédent, c'est cool. Salut les filles. Ah j'aime bien, mais on a l'impression qu'il se force à sourire, c'est cool. Salut. T'as pas grandi depuis la dernière fois, hein. T'es pas dit qu'il fallait un peu pousser, manger de la soupe, tout ça. Ah j'adore la bonne tête du mien, là, il est cool. Je souris. Bref. Hello there. C'est un peu long la mise en scène. Merci. Kaioshin-sama, oui bah attends. J'ai dit merci, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Le vieillard. L'épreuve? J'ai encore rien fait. Tu veux?
Oui, je me doute, je suis le meilleur de toute façon. Tout ça pour dire, chers amis, aussi au passage que le jeu est en full partout. J'ai tout mis. J'ai tout mis partout. Tout est à fond. Le vieillard est parti par là, il est probablement allé dans le bâtiment au toit bleu clair. Quelqu'un doit forcément avoir des infos, tu devrais enquêter auprès des gens. Dépêche-toi, il n'y a pas de temps à perdre. Oh, j'allais oublier, tu ne dois pas voler. Je t'ai vu te déplacer dans les airs et il vaudrait mieux que je ne t'y reprenne pas. Voler librement dans la ville peut s'avérer dangereux, tu dois obtenir un permis pour pouvoir voler dans Cotton City. D'accord. LT Sprint amélioré, carte à droite, geste, liste du chat. Ok, ton journal du chat. Sauter, confirmer, parler, examiner, appeler le véhicule. D'accord, ok. Ok. J'ai la carte. Zone commerciale en centre. Réception en bas à droite. Nid du temps en 3, donc à l'est. L'académie de police à l'ouest. Le socle des Dragon Balls au nord. Et le championnat du monde au nord-est. Et bien plus. Les policiers et les guerriers possèdent les icônes au-dessus de leur tête. Pour des informations importantes et déclenches des événements, n'hésite pas à parler aux gens que tu croises pendant ton aventure. Des icônes sont aussi affichées sur la carte. Certaines icônes apparaissent que dans certaines parties de l'histoire, lors de certains événements ou durant les entraînements. Parmi ces icônes, tu retrouveras les éléments d'histoire 1, des quêtes 2, de failles temporelles 3, d'entraîneur 4, de livraison d'entraînement 5, pardon. Livraison de lait, allez comprendre, 6, les entraîneurs 7 et les quêtes de... Ah bon ? Ah oui, d'accord, les événements d'entraîneurs et aussi les entraîneurs en 7. Donc les événements d'entraîneurs en 4 et les entraîneurs eux-mêmes en 7. En 8, les quêtes de défis. D'accord. Ah tiens, tu sais, pour la carte et ouvrir ta prochaine destination. Hop. Suis-je censé aller? D'accord, événement de l'histoire au centre. Ok. As-tu bien fait ta destination? Bien, allons-y. Jamais tu ne peux aller. Ok, d'accord. J'ai vu véhicule. Personnaliser déjà, donc ça c'est cool. Modifier l'équipement, modifier les techniques, changer les objets. Non. Sac. Ok, pas grave. Semblait avoir obtenu des choses pour avoir. Enfin c'est bon, c'est pas grave. J'ai pas de. Du coup, du tout de. Non. Ok, bon c'est pas grave. C'est par là. Tufu. Bonjour. Konnichiwa. Information, qu'est-ce que tu voudrais savoir à Cotton City? Le sommet te reste pas pour l'instant. Hop, Tufu. Bonjour Tufu. C'est mignon. Salut, comment vas-tu? Un problème? Tu cherches le vieux Kaioshin? Il marchait le long de cette rue il y a peu, puis il a poussé un cri en avant avant de partir en courant. Connais-tu la petite de vêtements dans cette direction? Il est passé devant. Interroge les gens du coin, si tu n'arrives pas à le trouver, quelqu'un l'a forcément vu. D'habitude, il déborde d'énergie, mais il avait l'air fatigué aujourd'hui, je me demande ce qui s'est passé. Carte. Là, on apprend qu'il faut aller un peu plus au sud. Shikori. Bonjour madame, vous avez les yeux roses, est-ce que c'est normal? Êtes-vous drogué? Que fais-tu aérer comme ça? On attend. Oh, attends, tu dois chercher le vieux Kaioshin, non? Je l'ai vu partir dans cette direction, criant qu'il était occupé. Je pense qu'il est allé à l'académie, mais il a soudainement changé de direction pour aller à la réception et il est tombé. C'était une sacrée chute, j'espère qu'il va bien. La réception est située au-dessous de ce toit jaune. Tu devrais pouvoir la trouver sur ta carte. La réception. D'accord. Ça doit être par là. On va passer au centre, hein. Alors, normalement, il était censé y avoir une statue ici, chers amis. Ça m'embête qu'elle y soit pas, mais apparemment, il se peut qu'elle apparaisse aussi à la fin du tutoriel. Pas vous mentir, ça m'inquiète, hein. Ah, tu veux savoir où est passé le vieux Kaioshin? Il a quitté la réception pour retourner au nid du temps. Le nid du temps est à l'autre côté de ce portail, tu pourras le trouver sur ta carte. Si tu te perds, n'hésite pas à regarder ta carte, d'accord. Oui, j'ai bien compris, ça fait 4 fois que vous m'expliquez que je dois regarder ma carte. Allons-y. Il y a une boule bleue. Prendre. Capsule de puissance. Pourquoi pas? Donc l'animation de saut m'empêche de correctement sauter. Dommage. Enfin, de correctement avancer. Dat booty, chers amis.
ni du temps. Alors je verrai avec l'interface si je déplace ma cam, ne vous inquiétez pas. Mentu. Vieux Kaioshin, le voilà. Le jeune homme. Bonjour. Fezorta, où étais-tu pendant tout ce temps? Quoi, tu dis que c'est de ma faute? Prends un peu la responsabilité de tes échecs, jeune crapule. Bref, écoute-moi bien, tu vas recevoir une mission très particulière. C'est un honneur immense, tu seras la deuxième personne à l'avoir fait. Ta tâche consiste à voyager vers d'autres époques pour corriger de potentielles modifications du cours de l'histoire. Cependant, tu as beaucoup à apprendre, je te conseille de bien écouter tes aînés. Lorsqu'une modification de l'histoire a lieu, il devient plus facile pour d'autres modifications de suivre. Lorsque tu pars pour les époques où les modifications ont eu lieu, tu dois faire de ton mieux pour les corriger, ce sera tout, tu peux disposer. Hey, attends un peu! Tiens, voilà Kaioshin du temps. Et moi qui m'apprêtais à prendre les choses en main. Pas la peine d'être aussi agressif, je suis simplement venu pour partager mes connaissances sur les combats. Oh tiens donc, dans ce cas, bienvenue. C'est parfait, tu as beaucoup à apprendre avec la Kaioshin du temps. Premièrement, lorsque tu en sauras plus sur le rôle de la police du temps, ta première mission t'attendra. D'accord, on n'est pas rendu apparemment. Bienvenue, la sage et puissante Kaioshin du temps est là pour t'apprendre tout ce dont tu as besoin lors des combats. Quel honneur, nous allons pouvoir commencer. Tu te sens en état? Oui, bah vas-y, fais péter. Termine tous les défis, abandonner le défi en condition d'échec, d'accord, ok. Parfait, je ne m'en attendais pas moins de toi. Commençons tout d'abord par les bases, d'accord. Bon. Cet épisode sera peut-être un petit peu plus long que prévu. S'il dépasse les 1h, il dépassera les 1h. Par contre, faudra pas s'attendre à l'avoir avant 22h ce soir. Hein. Je le tourne là, vous voyez, il est 14h46, précisément. J'aimerais bien sortir du comment du... Bon, le jeu est bien plus beau que le précédent. Hein. D'accord, on va passer les bases. Nous, en revue, pardon. Déplace-toi, ok. Ok. On ne consomme rien, c'est cool. Hop. Ok, un dash. Et il me presse en l'air. Ok, pourquoi pas. Un Saibaiman. Jamais su dire les prononcer. Verrouillé. Ah, c'est RB maintenant, c'est plus le... Quand tu veux. Donc, je me mettrai en bas à gauche, hein, ou en bas à droite. Peut-être. Oh, d'accord. C'est stylé. Ok, alors je voudrais réessayer un truc, chers amis. Donc, je ne contrôle pas pendant le dash. Ce qui fait que je ne peux pas arriver par derrière, par exemple, là pour l'instant en tout cas. Boum. Ok. Pourquoi pas. Et boum. Pourquoi pas. Oui, bah je suis pas trop débile, je sais lire des touches sur un écran, puis... Oh Simon, oh là là. C'est agressif ou... D'accord. Ok. D'accord, je peux charger le pouvoir. Si je charge le Kikoa, ça lance une espèce de technique de charge de Kikoa. Pourquoi pas, ça me plaît. Boum. Boum. Oh, je peux... Oh.
Hop. Ah, elle est bien. Ah, c'est chaud à placer. Ok, pourquoi pas. Ah, ils sont passés avec une aura rouge, c'est marrant. Boum. En appuyant sur... Effectuer un sprint et sprint, appuyant sur XR. D'accord. D'accord, c'est pas mal. Ok, alors attendez pas. D'accord, faut que je verrouille quelqu'un. Ok, oh c'est stylé. Oh j'aime ça. Regardez, en gros, je fais ça et hop, hop les. Et je peux... Je peux passer derrière en fait avec une combinaison de touches. Où ça? Faut que je sois assez loin. La chope s'il te plaît. Boum. Combo. Ça passe. Ah, la chope. Boum. Ah. Où ça? Oh. 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 Oh là. Hop. Non, moi je... Hop. Ok, il me touche tous. Hop. Boum! Technique d'évasion! Explosion spirituelle, d'accord, j'en ai fallu d'un cheveu. C'est vraiment cool jusque-là, hein. L'entraînement, enfin. Le tutoriel est bien amené, je trouve. C'est rigolo. Il va vraiment falloir que je bouge cette. Cette cam. Kai Wareman, Jinko Man, c'est les autres couleurs, maman. J'arrive plus à faire la chope. La chope, c'est quoi? J'arrive plus à faire la chope. Merde. Ah bah merde alors. Non, c'est parce que je dois pas pouvoir être en mesure de la faire à l'heure actuelle. Ah si, c'était avec B, d'accord. Appuie sur un tel à toucher pour développer une super attaque. Crash du météore, combo, vague déferlante, para-para, danse. Crash du météore! Je la connaissais. Hop! Tempête géante, super vague déferlante. Tempête géante en plein milieu! Boum! Bouffé! Oh. Ah, boum! Alors les filles, les spams après tout. Ça, c'est la technique de Nappa à la base. Que je trouve d'ailleurs assez stylé. Mais mec, tu me saoules. Vu qu'elle passe. Ouais, ça déstresse, elle a raison. La caméra est un petit peu proche du... Question, est-ce que si je m'approche, ça fait les petites... Ah, ça fait pas les petites formes sur l'eau. Pourtant, j'adore ces petites-là. C'est un détail, mais on les voit même dans l'animé. Oh oh, nouvel ennemi. Un boubou assez vieux, apparemment. Ah oui, les capsules. Hop, merci.
T'es fait avoir. Ah, salaud. Boum, pouf. Bah alors. Je peux la charger? Oui, je peux la charger. Bonne technique. Para para avançant, salut. Boum. Oh, joli. Ah, j'ai pas réussi à... Boum. Dégage. Hop, la chope qui passe. Faut le temps que je... Par exemple, si je fais ça. Ah, je peux l'attendre au... Ah, la vache. Ah, dommage. Hop, les dégage. C'est assez difficile. Il y a certaines choses que j'aimerais faire que j'ai encore du mal à appréhender. Par exemple, la projection avec téléportation. J'arrive à faire la projection avec suivi. Mais la projection sans téléphone. Ce que j'appelle la projection, c'est. Oui, la projection. L'envoyer au loin. En étant capable de le suivre. Donc, la projection avec suivi, c'est ça, c'est pour ça que j'appelle ça. Alors voilà, je vais différencier la projection et la chope. La projection, c'est quand j'éjecte un ennemi. La chope, c'est quand je le chope au corps à corps. Et en fait, j'ai du mal à faire la projection avec téléportation. Vous avez pu voir. Hein. Par contre, la projection avec suivi, elle est très simple à réaliser. Bon. Niveau supérieur, tu as gagné des points d'attribut. Ça, c'est comme dans le premier. Donc une espèce d'évolution avec des attributs qu'on peut attribuer donc simplement au personnage, augmentant sa force, ses capacités de ki, etc., etc., etc. Donc ça on l'a fait. Du coup. Ma statue est toujours pas arrivée, ça m'inquiète un petit peu. On va bien voir. On va faire la mission du Kaioshin. Partir pour la police du temps. Ce sera ta première mission. Ta tâche de suivre. Tâche de suivre l'exemple de ceux qui sont passés avant toi. Donc je pense que c'est un dialogue qui a un rapport avec le précédent jeu, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Alors, des fois qu'il y a une cinématique. Bon, c'est con. Piccolo. Petit cœur. Ok, ça m'apprendra à parler comme Gohan. Il va se bouffer un caillou, il va tomber par terre, non, c'est ça? Non? Bon. Alors reprends. J'ai l'impression que la caméra a légèrement bougé. Ah, voilà, ça va peut-être être un petit peu mieux. Baradit, condition d'échec, PV du joueur à 0, ok, pourquoi pas. On y va. Oh, qu'il est colère. Double week-end! Je crois que c'est ça en plus. Hein.
Ah, j'ai pas du tout les mêmes techniques. Hop. Boum. Ah, tu vises un petit peu à côté de ton adversaire. Hop. Ça c'est bien pour l'instant. Hein. On va garder notre ki maintenant. Faut voir que mon endurance a grandement baissé par contre elle aussi. On va se poser. Hop. Bah c'était facile. Si j'ai pas le rang Z, je comprends pas. Voilà. Comme une lettre à la poste, tout à fait. Hop. Temps total, 0. Apparemment j'ai passé 0 secondes dans le combat. Bah alors, tu souffres mon petit Raditz? Tapo! Ah merde, ma tête. Est-ce que vous voulez que je laisse ma tête dans les cinématiques ou pas? Est-ce que vous voulez que j'enlève juste moi? Merde! Et lui qui est en train de crever mais qui se fout de sa gueule une dernière fois pour le bonheur. Et Gohan? Ah non, c'est moi qui ai disparu en fait, j'ai fait Batman. Ah bah dis donc, vous qui êtes censé sentir le ki des gens, alors je sais bien, peut-être que je le cache le mien, mais quand même, hein. Mon cher Piccolo, t'es mauvais. Hein. Mon cher petit cœur! C'est petit cœur! Si je fais un Namek, je l'appellerai petit cœur. Bon, bah ça c'est fait. Merci, merci, je sais que ça a été très facile. Il a pas tort. Bah finalement il était plus fort, en fait il a surtout vu anticiper l'attaque de Piccolo. Autrement dit, je vais faire mon boulot. Ouais, titanesque, that's what she said. Je suis bien d'accord. Tu dis du plus grand ou du plus vieux? C'est le plus grand ou c'est le plus vieux? Parce que franchement, niveau taille, t'es peut-être le plus grand, mais t'es penché en deux, t'es plié en deux, pardon. Quelle jeune fille de petite taille tu es aussi, toi? Il n'y avait pas tout un bordel à un moment dans le 1 avec sa poitrine qui était trop petite, je sais pas quoi. Ça me dit vaguement quelque chose. C'est Trunks qui a foutu la merde. Ça ne fait... Nous n'avons qu'un millénaire de différence, ça ne fait pas moins de vieux. Toi tu ressembles à une gamine, alors comment veux-tu qu'on te prenne au sérieux? D'accord, je vous laisse vous disputer entre vous alors. Hein.
Non, de me battre. Plutôt de me battre, honnêtement. Ça fait bizarre de me balader avec une petite fille et son animal de compagnie quand même. Son hibou de compagnie qui marche plutôt que de voler. Ah bon? Bah, je vais le faire quand même. Ah! Le piaf a disparu. Le piaf a définitivement disparu. Hein. Il est passé à la cocotte minute. Hein. Non! Pas la cocotte moineau! Ma statue? Ma statue? Ma statue? Ma statue? Ah, ma statue. Tout a commencé quand Cotton City s'appelait encore Toki Toki. Une personne maléfique capable de modifier le temps a mis la ville en danger. Un héros a courageusement sauvé la ville. Non, pas uniquement la ville, il a sauvé l'univers entier ainsi que le cours du temps. L'histoire que tu as corrigée a déjà été sauvée par ce héros auparavant. Regarde bien, voici ce héros. Et normalement, là, je devrais pouvoir choisir mon personnage. J'ai eu les boules que ça marche pas. Sélectionne un héros de Cotton City. Remarque, les joueurs qui ont transféré les dés depuis un an peuvent utiliser leur policier du temps du jeu précédent comme héros. Toutefois, les techniques suivantes ne peuvent pas être transférées. Super, ouais, donc ça, c'est ce qu'on a vu au tout début. Et donc, moi, j'aimerais... Vous voyez, on avait ces personnages-là, ces personnages, cette fille-là que j'ai jamais utilisée. Donc nous, je pense qu'on va prendre... On va prendre ça, je pense, hein. Ça va être très très cool. Voilà, vas-y, tu dois supprimer tes données de sauvegarde Dragon Ball Xenoverse si tu veux de nouveau sélectionner ton héros. Oui d'accord, oui j'ai réussi à le faire mais je savais pas que c'était aussi loin. Le personnage sera l'heureux de Cotton City, confirmé? Oui, Marcus Bonus. Et du coup j'obtiens tout ça. Plus ces techniques là. C'est cool. 34 854 Zeni, médaille 179. Est-ce que tu le dis, écoute hein. Je sais même pas si c'est gigantesque ou pas. J'ai aucune connaissance des valeurs à l'heure actuelle du jeu. Différentes unités. Oh, il est stylé. Ah bah j'ai bien fait. Alors, c'est pas long de voir sa puissance, n'est-ce pas? Continue de t'entraîner et ta puissance égalera peut-être la sienne un jour. J'ai hâte de voir tes prouesses à l'avenir. Mais pour ça, il faudra t'entraîner. Retourne régulièrement à l'académie et n'hésite pas à faire des quêtes parallèles. Réaliser des quêtes parallèles est le but même de tout policier du temps. Parle au robot de la réception pour en savoir plus. Il te donnera de nombreux conseils, enfin j'espère. La réception est sous le grand toit à l'entrée du nid du temps. Va y faire un tour. Tu peux aussi aller à l'académie de police, c'est un endroit dédié à l'entraînement des nouveaux policiers du temps. Lui il est en train de s'y rendre, il a beaucoup à taper. L'académie dans cette direction, de l'autre côté de la ville. C'est un grand bâtiment, impossible à louper. Tu t'en sortiras, ça fait beaucoup à retenir, mais je sais que tu t'en sortiras, n'est-ce pas? Tu en es capable, je crois plutôt que ça va durer. Oh, j'ai oublié, tu ne peux pas encore voler, alors prends ça, à plus tard. Commande des véhicules. Tu peux conduire des véhicules pour te déplacer à connexion. Utilise X pour monter à bord ou descendre dans un véhicule. Tu peux changer les véhicules à partir du menu paramètres véhicules. D'accord. Accélérer. Alors accélérer ta gauche, c'est bizarre. Freiner sur A. Carte, d'accord. Voici notre véhicule. Personnaliser mes techniques. Crajimeteur, c'est très très bien. Alors, attaque spéciale. Là, j'aimerais avoir charge maximum qui va être un petit peu craqué pour le début du jeu, je pense. Kamehameha enchaîné. Ici, je peux avoir. Épée spirituelle, pourquoi pas. Ascension immédiate, non. Charge maximum, non. Crajimeteur, charge. Si j'avais su, j'aurais pris. Ça. Éveil, je sais pas ce que c'est. Évasion, ascension immédiate, champ de force. Je préfère champ de force. Ok. L'équipement. Super âme, j'en ai toujours pas. Cucubang, j'en ai pas. Un nouveau détecteur vert, un nouveau détecteur bleu. Je préfère un détecteur bleu personnellement. Hop, on va mettre ça, hein.
Même si finalement mes gants sont pas top. Ils sont différents du jeu de base. Je préfère mettre ceux-là. Voilà. Voilà. J'aimerais un truc un peu moins... Hop. Pour ce qui est du bas, c'est pas trop... Non. C'est pas du tout la bonne couleur en fait. Crac. Couleur des mains. Ça ne me dérange pas. Couleur des pieds. Là j'ai plus de problèmes avec certaines couleurs. Hop, voilà, c'est assez sombre, mais j'aime bien finalement. Modifier les techniques, on l'a fait. Modifier les attributs, changer les objets, ça doit être là. Non? Réglage. Sac, peut-être? Vous m'aviez dit qu'il y avait un menu. Bon, on dit qu'il y avait un menu pour... Bon, on dit qu'il y avait un menu. Données de jeu. Options. Paramètres des véhicules. Ah, c'était là. Ok. 315, c'est quoi? D'accord. Et l'autre, c'est quoi? Ok. Ah, voilà. Oh, mais vous avez pas fait une bonne... Oh, c'est dommage. Ça correspond, chers amis, pour ceux qui ne le savent pas, à... De mémoire, c'est le... Pardon, excusez-moi, je me suis fait super mal à l'œil d'un seul coup, là. C'est le pilier que tu listais au PayPay pour rejoindre... je sais plus... Ah, il va 100 fois plus vite. Et il est tellement pas contrôlable. Bah c'est bien, il va vite, mais alors il se contrôle pas. Bon. Bah écoutez, chers amis, je pense qu'on va se laisser là pour ce premier épisode. On aura pu voir quelques petites choses. Remarque, on peut peut-être aller boutique d'objets, boutique de techniques, boutique de mélange. Donc ça, c'est toujours disponible. On va aller voir la boutique de techniques, ce qu'il y a de disponible. Acheter avec des médailles pétées. Donc j'imagine qu'il y a des trucs super. Giga amélioration. What the fuck. Donc j'en ai 179, ça coûte 1 apparemment, donc c'est pas mal. Acheter avec des ennemis, c'est les mêmes choses, d'accord, c'est juste que c'est différent. Acheter les objets. Les objets, c'est quoi? Ça correspond uniquement aux objets de... C'est bien ça. Donc c'est pas là que je voudrais aller voir les fringues, moi, de base. Hop. Alors juste pour voir... D'accord, je peux freiner comme il faut, c'est mieux. Hop, salut l'ami. D'accord. Ah, la thune combat, ça correspond à... Impossible d'équiper ce vêtement, d'accord, ok. C'est pas les équipements que je peux... La dernière mode, non, c'est pas obligatoire. Ok.
Ah bah limite ça, je trouve ça plus stylé. Mais bon. Pied, d'accord, okay. Pourquoi pas. Et l'autre magasin restant, livraison espace-temps, boutique pété. C'est quoi ça? Maldon. En fait, tu peux acheter des super jeux avec des mailles. Ouais, on dit que nous aurons certains joueurs, vérifie là quand tu lui envoies des soupçons des médailles pétées, rappelle-la. Technique. Oh! Oh! Génial! Kikoa de l'empereur, signe de l'emprunt. Je préférerais largement le Big Bang. Doigt de Namek. En Big Bang. Big Bang me plaît bien plus. Big Bang! Kamehameha! Radiation ultime, c'est aussi sympa. Kamehameha final. On va prendre le Big Bang Kamehameha parce que je suis un fanboy. Évasion, ma quelques sapo. D'accord. Ok, je prends. Vêtements, qu'est-ce qu'on a? Oh! Oh, la super tenue de Yardra! Enfin, de Yardra. Yardra, non, c'est bien ça? Ah, cool! Ah, y'a plein de trucs! Ah, c'est génial! Pas de cap, hein. Ça, c'est stylé, ça, malgré tout, j'aime bien. Ah, c'est génial! Y'a pas les accessoires, dommage! D'accord. Accessoires, ah bah voilà. Hop. D'accord. D'accord. Tiare de Zarbon. Oui d'accord, oui je la vois à peine. On la voit un petit peu, regardez. Ici. Hop. Super âme. Super âme. Il y a un dégât des caméras, super âme normale, inférieur à 5%. Constant réduit les dégâts subis par l'attaque normale. Ah, attaque normale, un seul doigt suffira, diminue le ki d'adversaire. Je vais regarder les plus chers hein, en règle générale, j'ai tant attendu ce combat. Réduit les dégâts subis par l'attaque normale, moyennement. D'accord. Y'a pas un truc genre de soin comme il y avait qui était complètement. C'est la super élite. Une pose de héros constant. Bon c'est pas grave, c'est pas ce que j'ai. D'accord, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, bah écoutez chers amis, du coup on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. N'hésitez pas encore aussi à aller rejoindre le... Enfin, aller cliquer dans la bannière de la chaîne aussi. Et dans le descriptif de l'épisode aussi vers mon partenaire Gamespot.com qui m'a gracieusement fait le jeu. Et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Bon, j'ai plus qu'à aller monter cet épisode. Et à aller le uploader pour ce soir. Ce qui veut dire que je ne les toucherai pas avant demain matin. Quoi, dans le pire des cas. Ça pue. Allez, salut.